retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma revue Pain Climo. Donc c'est une vidéo qui m'avait été demandée, je ne sais plus par qui, mais qui m'avait été demandée. Et donc bah, je vous la fais que maintenant, mais je suis désolée. Et donc ma dernière chose à dire, c'est que la vidéo risque vraiment d'être très 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 longue parce que j'ai énormément de Pain Climo. Donc aussi en disant ça, je ne fais pas du tout cette vidéo pour me vanter, mais parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà, je sais que comparé à d'autres personnes, je suis plutôt gâtée, on va dire, en ce qui est Pain Climo. Donc voilà, c'était vraiment pas pour vous blesser. Et donc je vais tout de suite commencer par les pains de Climo qui ne sont pas entamés. Donc voilà déjà le délire, c'est y'a que ça, et ça c'est juste mes pains qui sont pas entamés. Le reste c'est dans notre boîte bleue, donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment long. Alors en premier j'ai ce lot de 24 pains de Climo qu'on m'a offert. Et donc en fait il y a toutes les couleurs de la Climo Soft et plus le pain, enfin le petit pain de Effect, le phosphorescent ou fluorescent, enfin bref je sais pas, mais c'est celui qui brille dans le noir là. Même si on va voir que dalle, enfin bref c'est celui qui brille dans le noir. Donc voilà, il y a toutes les couleurs, donc je vais pas vous les dire toutes hein. Donc voilà. Ensuite j'ai ce gros pain de Prémo qui fait 454 grammes et c'est la couleur or. Voilà, donc c'est la Prémo Accent. Et voilà, j'en ai un gros pain comme ça pour un projet. Ensuite toujours de la Prémo Accent, j'ai la translucide, donc numéro 5310. Et j'ai la couleur bleu pain numéro 5038. Ensuite pour les pains de Climo professionnels, j'ai la couleur vrai rouge numéro 200. La couleur vrai vert numéro 500. La couleur turquoise numéro 32, la couleur champagne numéro 02, la couleur mandarine, non, orange pardon, numéro 4, si on commence à tout confondre ça va pas le faire, et la couleur blanche numéro 0. Donc si j'y vais très rapidement c'est parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 20 minutes. Ensuite dans la gamme Climo classique j'ai la couleur bordeaux numéro 23, la couleur champagne numéro 02 et la couleur ocre numéro 17. En Climo Effect, j'ai la couleur étoilée numéro 903. J'ai le lilas numéro 605. Voilà. J'ai le translucide lilas numéro 604. Le bleu menthe numéro 505. Le translucide vert numéro 504. Le translucide bleu numéro 374. Le bleu glitter numéro 302. J'ai deux pains de jaune translucide numéro 104, un pain de métallique argent numéro 81, pardon 81. Excusez-moi, mais vu que je dis pas, enfin qu'en Suisse on dit pas pareil qu'en France, dans certaines régions, voilà, je suis désolée si des fois je fais des gaffes, mais j'essaye de me rattraper. Enfin bref, ensuite j'ai la couleur vanille numéro 105, la couleur rouge rubis numéro 28, la couleur quartz rosé numéro 205. Et la couleur fluorescent numéro 04. Je sais pas si c'est fluorescent ou phosphorescent parce qu'il y a les deux. Et fluorescent c'est peut-être quand c'est fluo, mais phosphorescent c'est quand ça brille dans le noir. Enfin je sais jamais. Oula, quel mot dire. Mais voilà, c'est celui qui brille dans le noir. Ensuite dans la gamme soft, j'ai deux pains de vert pomme numéro 50, deux pains de noir numéro 9, un pain de rouge indien numéro 24, un pain de rouge cerise 26, un pain de bleu Windsor numéro 35. Deux pains de jaune tournesol numéro 16, deux pains de prune numéro 63, un pain de vert tropical numéro 53, un pain de bleu menthe numéro 39, un pain de chair clair, enfin chair, ouais, chair clair, numéro 43 et un pain de lilas numéro 62. Donc voilà pour les pains de Climo non entamés et j'en ai compté, je les ai comptés pardon, et des non entamés j'en ai 65 avec le kit des 24 là et sans le kit et bah j'en ai 41. Donc voilà, c'est pour ça que je ne rachète plus de Climo. Ensuite on passe aux pains qui sont entamés, donc j'ai du tournesol numéro 16, du lemon numéro 10, du vanille numéro 105, donc excusez l'état des pains, mais c'est qu'ils sont tout crado. Et je n'ai pas encore pris la bonne résolution de les emballer individuellement chacun dans un sachet zip. La couleur pêche numéro 405, voilà. La couleur mandarine numéro 42. La couleur Sahara numéro 70. Encore un pain de Sahara 70. Un petit hibou de chair claire numéro 43. De l'ocre numéro 17, du bleu menthe numéro 39, du bleu métallique, enfin du bleu saphir métallique numéro 38, du bleu pacifique numéro 37, du bleu brillant numéro 33, encore un peu de bleu brillant, oui j'ai ouvert deux pains,
du bleu d'eau numéro 305 et un petit bout de menthe et de bleu glitter. Voilà. Après, ici, j'ai un bout de rouge cerise numéro 26, un bout de rouge indien numéro 24, de la prémousse sculptée soufflée à la couleur maltal numéro 6633. Voilà, qui est une très belle couleur. Et elle est dans un chassez zip. Attention. Oula, sachet zip. Pas chachet chacha. Ensuite, j'ai, si ça veut bien venir. Rouge translucide numéro 204. Bordeaux numéro 23. Encore un petit bout de 204 là. Rouge translucide. Donc oui, je les remets juste dedans parce que il y a un petit peu des problèmes. Et ça, je crois que c'est du rouge cerise. Voilà. Il ne reste rien, presque. Voilà. Ensuite, j'ai la couleur rosée numéro 205, le vrai magenta numéro 210, le quartz rosé numéro 206, le framboise numéro 22, le prune numéro 63 et le lilas numéro 605. C'est le lilas. Ensuite, j'ai du caramel numéro 7, du chocolat numéro 75 et de l'écru numéro 1093. Ensuite, j'ai du blanc numéro 0, du blanc numéro 0, du... Alors, celui-là, lequel ? Celui-là, c'est... je crois que c'est le nacre, en effet, mais j'ai paumé le numéro, voilà. Et j'ai le translucide numéro 014. Ensuite, j'ai le noir numéro 9, le granit numéro 803, j'ai un tout petit bout de métallique gris numéro 81, il me semble. Ouais, 81. Et pour finir, le gris dauphin numéro 80. Et enfin, dernier compartiment, j'ai du pistachio numéro 6629, oula, du vert pomme, du excusez-moi, du vert tropical numéro 53. J'ai encore un pain de menthe numéro 65 et du vert feuille numéro 57. Et donc si j'ai bien compté, j'ai 44 pains de cimo entamés plus les 65, ça fait que j'en ai 109, donc voilà, c'est quand même énorme, je trouve. Donc j'aurais jamais pensé en avoir autant parce que en fait j'ai jamais vraiment compté les couleurs que j'avais, voilà, et c'est seulement en fait en faisant ce tag là, enfin ce tag, cette revue plutôt, que j'ai découvert que j'en avais autant. Donc voilà. dites-moi combien vous en avez vous de pains de chino en commentaire, ça pourrait être sympa. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'autres vidéos de ce genre, revues que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère que la vidéo vous aura plu. Mouah.